Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo capillaire. Donc en fait, je vais vous montrer comment je fais mes vanilles. Faites pas attention à ma coupe ni au bruit à l'extérieur. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux, ben, ça va plus trop, quoi. Hein? Ils sont fatigués, ils sont tout secs. Et pour ça que je veux me mettre en vanille, voilà. Ils ont carrément rétréci, hein. Bon, pas à 100%, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout à l'heure, après que j'ai lavé mes cheveux. Donc me revoilà après avoir lavé mes cheveux, je les ai laissés sécher à l'air libre, et comme vous pouvez le voir, ils ont rétréci, mais là ils sont encore un peu mouillés, ils n'ont pas fini de rétrécir. Donc, je vais donc commencer. Pour ce faire, moi, j'utilise ma crème capillaire que je fais moi-même. Le fond de contour, là, que j'aime pas, mais comme on me l'a acheté, par respect, je le termine, même si je déteste l'odeur, n'en parlons pas. De mon vapeau, mon peigne, et cette brosse qui ressemble fort à... Vous savez la brosse, là, qui coûte hyper cher, la Tangle Teaser. En fait, c'est la même. Sauf que moi, je l'ai commandé sur AliExpress pour moins d'un euro. Et oui. Donc, vous commencez à faire une section. Donc, je vais me zoomer. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une crotte de nez. J'ai juste le nez qui pèle. Hein. Quand on est enrhumé tout l'hiver, forcément, voilà. Donc, en général, je le fais. Je fais pas mes traits avec... putain, je vais me faire mal. En général, je fais pas mes traits avec le peigne. Je le fais au doigt et puis je perfectionne au truc. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait, quoi. Vous voyez, je prends une section comme ça. Je vais en faire des plutôt grosses, hein. Franchement, j'ai de la flemme parce que je sais que dans tous les cas, je vais y passer ma journée. Et j'ai pas fait de masque et tout parce que j'avais la flemme. Normalement, c'est samedi, c'est le jour de soin, mais voilà. Et moi, pendant mes vanilles, je ne fais jamais de masque aux poudres. Je privilégie les bains d'huile, les trucs comme ça, parce que j'ai trop peur que ça se coince. En fait, quand vous faites vos vanilles, vous en profitez pour démêler vos cheveux. D'abord, je commence par hydrater. Là, j'en prends une bonne noisette. Vous tournez pas la vanille comme ça. Ça, c'est... Non. Et ensuite, vous notez. En essayant de serrer, enfin de lisser le cheveu sans tirer dessus et serrer. Parce que le but, c'est pas du tout ça. Trop souvent non plus. Voilà, vous enroulez vers le bout. Juste comme ça. Aussi simple que ça. Pour éviter que ça se défasse. Même si ça, ça défera pas. Voilà. Et voilà, on a notre première vanille. Donc voilà comment. Voilà. Et bien sûr, ça rétrécit. En fait, quand vous allez faire des toutes petites comme ça, vous avez plus de chances d'avoir ça que ce petit boudin. Bah ouais, il est 22h30 et j'ai toujours pas fini. Ça fait à peu près depuis 13-14h. J'ai mal au bras. Donc là, je vais faire une pause pour manger.
Hello, comme vous pouvez le voir, ma tentative d'étirer mes cheveux, ça n'a pas trop donné ça. Et comme ça fait ce genre de choses, bah, vous les humidifiez, vous les mouillez. Enfin, puis ça retombe et ça sèche normal. En gros, pour mon type de cheveux, ça va être un peu chaud d'avoir des vanilles hyper étirées, quoi. Donc j'abandonne. Parce que là, je ressemble un peu à palmier, mais genre sale. Je viens de me réveiller, il est 11h. Ça s'entend ma voix, elle est en train de dérailler parce que je suis hyper crevée. J'ai fini de me coiffer à 2h30. 2h30, je ne fatigue pas comment j'étais fatiguée, j'avais mal au bras. Mais j'ai continué parce que je voulais pas continuer ça demain. J'ai commencé à 13-14h, elle va arrondir à 13h. Pour finir à 2h30 du matin. Donc ça fait... ça me fait 13h30 de tresse. Et voilà. Pour au final tenter de les étirer pour avoir un truc comme ça. Donc voilà, je vais vous zoomer un peu plus près. Donc voilà. Bon, en tout cas, niveau vanille, hein, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Ça passe, hein. Elles sont bien faites, blablabla. Juste, bah, j'ai un peu tout gâché. Oh, c'est froid. Je m'arrose les cheveux telle une plante. Le résultat n'est pas très glorieux, hein. Donc, vous le verrez dans les autres vidéos parce qu'en fait, il faut vraiment que je me... vous moquez pas, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Dans ce cas-là, ne faites pas comme moi. C'est-à-dire que quand vous finissez vos étirés, de vouloir les étirer en tout cas avec un chouchou, essayez peut-être avec un fil qui va vers le bas. Donc voilà, moi comme mes cheveux n'aiment pas les tresses au fil, j'ai peur de faire des vanilles sur des tresses au fil, mais j'essayerai peut-être. Donc de toute façon, dans les prochaines vidéos, vous verrez ce que ça donne. Et je vais rester 2 bonnes semaines avec. Ouais, parce que j'avais envie de me mettre en vanille, parce que j'en avais marre. Pas marre de mes cheveux, mais genre je commençais encore à avoir la flemme de pas de mon occuper, mais en fait, vous savez, quand j'ai mes cheveux et tout, genre en mode étiré bien et tout, je trouve toujours des coiffures excentriques à faire. Sauf que là, c'était plus le cas. Et quand c'est comme ça, moi ça me saoule parce que j'aime bien changer tout le temps de coiffure. Alors que là, je faisais tout le temps des couettes, même si ça me va bien, mais faut changer. C'est encore moi. Donc finalement, regardez, je les ai humidifiés, j'ai enlevé le chouchou parce que je trouvais qu'ils étaient encore humides. Et ensuite après, je me suis couchée, donc j'ai bien aplati mes cheveux, je me suis couchée de ce côté-là. Et après ça me les a aplatis, il suffit juste après de les secouer, enfin voilà. Et ensuite, pareil de ce côté-là, bon là je les fais un peu moins, mais voilà ce que ça donne. Et bah, vous les reboucher quoi, enfin je sais pas... Vous les remettez en forme, si je puis dire ça comme ça. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais avec de la persévérance, on y arrive, les cocos. Voilà. Hein. Voilà, c'est. Moi, ça me va plutôt bien. De toute façon, j'ai l'habitude. Avant, j'avais du mal à accepter que ce soit autant rétréci. Je me disais, oh putain, pourquoi ça tombe sur moi? Mais au final, je me suis dit, bon. Voilà, c'est ma nature de cheveux et finalement j'en joue parce qu'au final, regardez, genre on dirait que je les ai coupés, mais alors que non, ils ont juste rétréci et c'est ça que j'aime. Pendant les vanilles, généralement, quand je suis en vanille, c'est une raison pour moi de rien faire pour mes cheveux, c'est-à-dire qu'en fait j'ai la flemme de tout, c'est-à-dire que je ne les attrape plus parce que je trouve que c'est pas nécessaire parce qu'ils sont hydratés et voilà. Les masques, j'en fais presque pas. Et quand j'en fais, c'est juste des bains d'huile. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre pendant mes vanilles? C'est rare que je fasse des cures. Mais
En général, je profite toujours d'avoir des vanilles pour faire des cures parce que c'est là où là mes cheveux ils poussent bien parce qu'en fait mes cheveux ils adorent les vanilles. Je peux vous dire, ils adorent les vanilles. Que je pense en fait, comme je trouve que j'ai les tempes légèrement dégarnies, je pense que je vais profiter de mes vanilles pour les traiter et puis le cuir chevelu, je vais un peu le laisser, hein, même si j'en mettrai peut-être une fois par semaine. Donc ça veut dire un total de 3 fois. Donc je serai en vanille. Et puis pour les tempes, j'en mettrai tous les jours. Comme ça va me permettre de me concentrer sur autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit j'aime, hein. Ça fait toujours plaisir. Abonnez pour m'encourager. Commentez si vous avez des questions, si vous avez des conseils aussi, parce que je suis preneuse. Et voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.